Allez, ouais, Michael Faria, j'ai 45 ans, je suis père de marié, père de deux enfants. Petit café, hein. Ça réveille. C'est tôt le matin comme ça. Et puis, je suis entraîneur à Choisy. Je suis entraîneur d'une équipe de Choisy en R1, Choisy au bac. Depuis une bonne douzaine d'années maintenant. Voilà. Et puis, à côté de ça, je suis responsable d'un service jeunesse dans une communauté de communes. Depuis bientôt 22 ans, où je travaille auprès des adolescents. Un entraîneur, c'est quelqu'un qui essaye de faire progresser son équipe. Hein, voilà, avec c'est très, très, très. Enfin, y a déjà une véritable différence entre un entraîneur et un éducateur. Un entraîneur, il va rechercher le résultat avec son équipe. Voilà, il va répondre à des exigences de son club, des performances individuelles, des performances collectives, gagner des matchs, gagner des championnats, gagner des titres. C'est l'objectif principal, je pense, d'un entraîneur. Ce qui fait un peu la différence avec un éducateur qui, lui, va être plutôt formateur, va chercher à faire passer le résultat plutôt après. Voilà. Un entraîneur, il va être jugé sur ses résultats. Un entraîneur qui n'a pas de résultats, c'est compliqué. C'est bien. Allez, matos, les gars. C'était chaud aujourd'hui. Alors, la charbon, c'est où? C'est chez nous, ouais. La puissance de frappe, mon gars. Il parle même pas, il rentre, ça se voit. Moi, à mon époque, hey, Kev, à notre époque, notre coach, il ne nous faisait jamais faire ça. Sinon, j'aurais été une machine. J'aurais été une machine de guerre. Un pape. En U15, on ne te faisait pas faire ça. Sinon, tu aurais été une machine de guerre. Hein? Tu aurais fait professionnel. Ah ouais, c'est sûr et certain. À Dakar, c'est sûr et certain. Non, à 15 ans, tu aurais été en équipe nationale. Ce que je regarde, c'est toujours l'aspect collectif. Je pense que la première chose qu'un entraîneur il doit rechercher, c'est la cohésion du groupe, en fait. C'est des joueurs qui sont en capacité à travailler les uns avec les autres, à s'entendre en dehors du terrain et sur le terrain, de mon expérience. Donc la priorité à travers mes entraînements, c'est déjà d'avoir un cadre d'entraînement qui permet à tout le monde de s'épanouir et d'être heureux, en fait, d'être content quand on vient à l'entraînement. Et la deuxième chose que je recherche, c'est qu'à travers un entraînement, quand je finis l'entraînement, il faut avoir appris quelque chose. Ok, Samuel, il change, il faut un Nathan, mets-toi au mitard. Puis après, il y a l'objectif collectif qui est de mettre en place des thématiques qui vont aider l'équipe à s'améliorer dans un domaine. Tactique, technique, athlétique, mental. C'est les quatre composantes du sport, quoi, du foot. Oh, c'est à l'image de ce qu'ils sont capables de faire. Très, très bonne chose. Voilà, c'est ça, Erwin, c'est ça, c'est ce que je veux. C'est bien, c'est ça, Erwin, prendre ta chance. Bien joué, Samir, hein, dans les buts, là. La touche. Hein. J'ai aucune prétention à pouvoir changer les personnes parce qu'en fait, c'est pas facile de changer. Donc on change pas les personnes, donc il faut déjà bien les choisir. Alors quand on a la possibilité de le faire, c'est bien. Quand on a pas la possibilité, mais qu'on a la chance que ça arrive, c'est mieux. Donc le plus difficile pour l'entraîneur, c'est de constituer quelque chose qui, sur le plan collectif, tout le monde adhère à la même idée. Voilà. Donc ça passe par, déjà, comme j'expliquais, choisir. Ensuite, mettre les règles en place et expliquer au groupe la direction. Il faut réguler. Quand ça ne va pas, il faut intervenir. Quand ça va, il ne faut pas s'endormir. Parce que ça peut vite changer dans le sport, dans le foot en plus.
Donc faut réguler et puis après c'est une question de personnalité. T'as des entraîneurs qui laissent rien passer. Et puis t'as des entraîneurs qui vont. Et moi je pense que je suis un peu plus comme ça, qui vont essayer de responsabiliser, peut-être d'échanger. Mais je ne sais pas comment l'expliquer véritablement. Hein. C'est l'aspect émotionnel. C'est de l'émotion, en fait. C'est l'instant présent. Donc, Qu'est-ce qui s'est passé? Darius, il prend un coup ici. Il s'embrouille avec le numéro 10. Ça s'embrouille. Après, bref, le numéro 10, il part. Mais moi, c'est juste la phrase qui me déplaît. Je déteste qu'on insulte ma mère. Surtout ma mère. Le problème, Momo, c'est que tu vois, à partir du moment où il y a un... Je condamne ce qui s'est passé. D'accord ? Dans ce que tu me dis là, je peux entendre, je peux comprendre. Mais n'empêche qu'en fait, tu portes un maillot. Là, ça, je sais, c'est pour ça que j'ai dit que j'allais pas faire ça sur le terrain. Tu vois ? Et là, derrière, il y a un match arrêté. Et moi, l'image du club, tu vois, elle est pas bonne. Moi, j'ai appelé le président de Longueuil. J'ai appelé notre coach, j'ai appelé Julien, j'ai appelé Darius, mais je voulais aussi parler avec toi de l'incident avec Eben. C'est-à-dire que j'ai d'un côté des gars qui me disent « mais c'est bizarre que Momo il soit comme ça parce qu'il ne l'a jamais été ». Et en fait, en deux semaines, tu es dans deux mauvais coups, en fait. Bon, maintenant, si tu veux, c'est fait. D'accord ? On ne va pas revenir sur le passé. Mais moi, ce que je te demande, c'est que déjà, une, ça ne se reproduise plus. Et que si tu sens que tu montes en pression, tu dois communiquer. Mais moi, tout ça, si tu veux me mettre tout ça, le contexte et tout, je l'entends. Il y a des choses que j'accepte, il y a des choses que je comprends, mais je ne peux pas accepter, si tu veux, le déclenchement d'une bagarre. Quand ça arrive une fois, c'est un accident. Ça peut arriver une fois. Quand ça arrive deux fois, c'est un questionnement. Et ça, c'est ce que moi, je me dis. Quand ça arrive trois fois, c'est déjà plus du questionnement. C'est qu'il y a quelque chose sur lequel il faut creuser. Tu vois, quand il y a une embrouille avec le truc là sur le terrain, fais profil bas. Ça va te servir à quoi? À faire dégénérer un match et tout le monde s'arrête. T'as rien à y gagner à tout ça. Alors par contre, t'es jeune, je veux bien entendre que ça peut se produire. Maintenant, je te dis les choses d'homme à homme et puis après... Voilà, tu sais, t'es au courant, pas de soucis, la suite maintenant. Ok, Mohamed ? Bon, allez. C'était cadeau avant Noël, les gars. C'est en 92 quand t'avais mis un triplé. Ah ouais. Ah ouais, c'était à Lens, j'ai encore le... Eh, je te jure, j'ai encore l'article de journal. Oh. Eh, Kader, trois coups francs. Pas tes coups francs à toi qui finissent dans un mur, après je prends rouge, hein. Moi, je te mets trois lunch, trois lunettes. Et après, je vais à la buvette, c'était le bungalow à Lens, il y a un dirigeant, fait pouf, c'est lui le numéro 10 qui a mis trois coups francs, moi. Mais le gars, il a passé une bonne journée. Allez, c'est reparti pour deuxième partie de saison. Ça commence aujourd'hui. Avec un bon match amical, on va mettre tout de suite les joueurs dans la vérité en espérant que ça va répondre présent parce qu'en face ça met beaucoup d'intensité. On va voir. Il y a un bon temps de merde aussi. Allez, va Damien avec lui. Va avec lui. Jouer. Encore avec Chris, encore avec lui. Bien joué ça. On a vu que on est. Non, je trouve que c'est pas dégueulasse. Il va falloir passer à la vitesse supérieure. Bon retour, c'est bien les gars. Bonne fin de championnat.
Ouais coach, ça va ou quoi? Ça va quoi? Bon, les conditions, bah tu les vois un petit peu aussi sur la vidéo. Il a flotté tout ça. Ce qui est pas mal, c'est de... Je te dis, on discutait, c'est d'extraire les coups de pied arrêtés. Ça peut être pas mal aussi de les extraire. Les coups de pied arrêtés offensifs et défensifs. Et puis de faire un travail dessus cette semaine. Être à l'écoute, échanger, discuter... argumenter, quelquefois c'est comme on fait avec la vidéo, c'est aussi prouver, voilà, c'est qu'on essaie d'analyser des faits et pas des choses qui sont farfelues, des ressentis, en fait, voilà, à un moment donné, il faut des faits, il faut dire, bah voilà... Bamo, t'as rien à foutre là! Il y a une ligne blanche! Allez, allez! Il y a eu chronologiquement dans l'entraînement de très bonnes choses. Au début, c'était un peu, j'ai trouvé que vous aviez du mal à démarrer la séance. D'après, dans les messages et dans les intentions, on a amélioré les choses. Ça doit nous servir. Parce qu'on doit le voir. C'est très difficile de défendre sur le troisième joueur. Parce que le troisième joueur, si par exemple je suis marqué, d'accord, si je suis marqué et que le ballon il est donné plus haut, de manière générale, l'adversaire, il regarde ce qui se passe, il regarde le ballon. Dès l'instant qu'on arrive à trouver haut pour un joueur qui est face au jeu, derrière, c'est facile de jouer, c'est plus facile de jouer. Parce qu'à chaque fois qu'on va toucher, nous, c'est toujours, on touche le joueur pour jouer vers l'arrière. Pour jouer vers l'arrière. Il ne faut plus qu'on ait ça. Il faut avoir ces passes où on va toucher les attaquants plus haut. On essaye de constituer des groupes de travail, tout en essayant de ne pas mettre les meilleurs dans du confort et d'essayer d'avoir des moins bons qui peuvent encore progresser et de pas les abandonner non plus. Donc c'est un travail qui n'est pas facile parce qu'il faut faire des choix et que le week-end, on a 14 joueurs à mettre sur une feuille de match et 11 titulaires. Et donc il y a forcément des garçons qui sont frustrés parce qu'ils ne sont pas dans les titulaires. Il y en a qui sont frustrés parce qu'ils sont pas remplaçants et il y en a d'autres qui sont frustrés parce qu'ils ne sont même pas convoqués. Et une saison, voilà, c'est long. Il y a plein d'expériences qui font qu'un garçon qui au départ n'est pas dans les entre guillemets dans les meilleurs, bah, à force de travail, il peut intégrer en fait. Et certains qui sont dans le confort et qui en fait n'y arrivent plus. Parce que l'exigence du sport, c'est se remettre en question au quotidien, parce que ce que l'on a fait devient du passé. Puis après, c'est les moyens qui se donnent, parce qu'on est en amateur. Ça veut dire que les joueurs, ils ont un métier, ils ont une famille, ils ont des difficultés, ils ont des problèmes, quelquefois on ne les connaît pas. Et il faut creuser, parce que souvent, le joueur, ça reste quelqu'un qui, quand il a un mal-être sur le terrain, ou des problèmes sur le terrain, il les a souvent en dehors. Alors le rôle de l'entraîneur, c'est pas toujours de juger ce que le mec il fait sur le terrain, c'est de comprendre aussi ce qu'il est en dehors. Parce que ça aide à comprendre après ce qu'il est sur le terrain. Parce qu'on veut développer une manière de ressortir le ballon, de jouer, cette notion de jouer haut pour un joueur de soutien, etc. Ça doit pas être systématique en fait. Ça doit pas vous omnubiler au point de commettre des erreurs parce qu'on veut le faire pour le faire. Il faut le faire parce que c'est le jeu qui le demande. Il ne faut pas forcer les choses. Si on force les choses, on perdra des ballons complètement bêtes. Quelquefois, ça ne passe pas par ça. Mais c'est vrai qu'on constate que, et deux, trois fois, je me souviens d'une action avec Chris tout à l'heure, sur un appui remise avec Brahms, etc., où c'est hyper efficace, en fait. C'est hyper efficace parce que
ça aspire la défense. Et on a des mecs qui sont lancés. Donc quand on trouve un joueur lancé, qu'on est face au jeu, ça, forcément ça pique. Forcément on va obtenir des résultats. Allez. Allez, mettez de la rigueur, du travail. Allez, va, cherche pas, va au but, cherche pas. Oh, le cochon. Oh, les cochons. Ah, putain, t'as une opportunité pour être devant le but frappé. Et tu te retrouves au bungalow en train de ranger les coupelles. Yaya. Frappe. Et puis même Brams, il est trop. Brams, il doit y aller tout seul même. Là, il vit devant l'américaine, mais tu vas tellement vite que ça passe. Ok, les gars. Oh, les gars, juste une chose. Eh, les 10-15. Eh, les garçons. Oh, Damien. Eh, les 10-15 premières minutes, les gars, c'est quoi, il se passe? On joue vers là. Et on attend. C'est dingue. On fait des matchs. On joue contre une équipe inférieure, et c'est nous qui subissons le match les 15 premières minutes. C'est pas possible, putain, c'est à nous de prendre le jeu en main. Et là, ça va mieux. Mais c'est pas possible, les gars, c'est pas possible. Il faut qu'on s'impose, il faut qu'on impose notre rythme. Et après, dès l'instant qu'on joue vite, et le deuxième but, c'est... Il n'y a pas photo, c'est ça, hein. Dès l'instant que les enchaînements de passes, ils sont rapides et appliqués, on fait des différences. Mais ça doit pas être trop. On ne peut pas avoir 15 minutes de. La mi-temps, c'est 45, les gars, c'est pas 30. Can't make a promise, but I do my best. 25 sitting on 25 Rex. Just got started, no, we ain't done yet. But a new crib, that's a goddamn flex. Allez, rouge, allez, allez. Told him that shit that I been up next. Can't take calls, but I send that text. From way downtown, but the shit's still wet. La semaine, on bosse, on s'entraîne et tout. On met en place les choses pour essayer de gagner le week-end. Puis après, le week-end, on a une intervention à l'avant-match, bien souvent motivationnelle, stratégique, psychologique. Mais si on n'a pas bossé la semaine, si on n'a pas couru la semaine, le week-end, on est cuit. Donc mon rôle, c'est la semaine. Mon rôle, c'est à l'avant-match. Le rôle vraiment important, c'est la mi-temps, pour remobiliser, pour galvaniser, pour essayer aussi peut-être de faire redescendre si on se la raconte. Et puis, c'est tout, parce qu'après, le reste, c'est les joueurs. C'est les joueurs qui jouent, le terrain, c'est les joueurs. Donc, il faut... C'est eux qui prennent après, qui se régalent. Voilà. Après, nous, sur le bord du terrain, on a beau dire « Ouais, tu devrais passer dans son dos et patati et patata. » Ouais, mais le joueur, il n'a pas choisi ça, lui. Il a fait d'autres choix, donc on ne change pas ça. Ok, les gars, j'ai demandé avec Kev, on a... Bras chaud. Avec Kev, on a... Cette semaine, on va travailler sur des coups de pied arrêtés. Donc, il a synthétisé quelques coups de pied arrêtés, notamment ceux en championnat, défensif et offensif aussi. Défensif. Là, PSG contre R1, je sais pas, on en prend combien, nous. On gagne. T'es fou, toi. J'aime ce discours. On gagne, bien sûr qu'on gagne. 2-1, je pense. Oh, nous, on met le premier, on ferme. On met le bus. Moi, je te mets, sur Mbappé. Toi, je te mets au marquage d'Mbappé. Il touche plus un cacaillou. Il touche plus rien. Plus une cacahuète. Juste un démarrage. Et tu l'as perdu, le marquage. Eh, ça va vite. T'as vu, les mecs?
Hey, t'as des gars, ils disaient rien quand ils sont sortis des vestiaires. Déjà, on a dit, c'est pas les mêmes hommes. Allez, les gars, chasuble rose, chasuble vert. Tu aimes ton équipe? Ouais. Ah bah oui, bah sinon tu fais pas ça. Il faut aimer tes joueurs. Si t'aimes pas tes joueurs, tu remballes. Tu fais autre chose. Il faut aimer ses joueurs. Après, il faut quand même garder une certaine, je pense quand même une certaine réserve, une certaine distance. Tu peux pas non plus tout faire parce que il y a toujours cette notion de coucher des noms sur une feuille. Si tu commences à créer des affinités trop importantes, ben d'un autre côté, on va te reprocher de le faire. Tu vois ? De toute façon, il faut être interne, faut être entraîneur, il faut être dans un staff pour comprendre. Comme c'est dur de faire des choix, etc., quelquefois avec des joueurs avec qui tu t'entends extrêmement bien. Mais bon, voilà, ça fait partie du taf où tu te dis, si tu le fais, il faut l'assumer. Bah, le plus dur, c'est que tous ces noms-là s'associent bien pour gagner le match. C'est d'avoir des équilibres. Voilà, d'avoir un équilibre, d'avoir une stratégie, d'avoir des profils de joueurs qui vont te permettre de gagner. Parce que sinon, toi, moi, tout le monde peut coucher des noms sur des feuilles, hein. Allez, jouez! Voilà, ça va vite. Voilà, ça va vite. Voilà. Ouais. Tiens, Jérôme, monte d'un cran et Yaya, il vient. Permutez un peu. Voilà, Jérôme, il est là. Voilà, tac. Oui. Voilà, soutien. Calez-vous dans les demi-espaces, les gars. Prenez les repères, prenez les repères. Voilà, bien joué, prenez les repères. Voilà, là tu y vas Ben. Voilà, tac, bien joué. Là, il y a la remise. Voilà, sur le G, et on oriente. Voilà, et on fait l'appel, bien joué. Et on enchaîne. Vise, tu sais, vise le coin des 18, en fait. Ah oui, mais vise le coin des 18, vise pas la touche. Ok, les garçons, allez, il y a l'excitation de la reprise. Ok, c'est important parce que là on s'entraîne pour quelque chose. Eh les gars, Samir, on s'entraîne pour quelque chose, les gars. Demain c'est compète, il y a 3 points à aller chercher. Il y a eu une séance studieuse. On est à 24 heures du match, mais je vous le dis, les gars, il faut rester mental. On va marquer, on marquera. Il faut qu'on soit d'abord costaud. On a besoin des attaquants, de Brahms, de ne pas sortir de ton match pour de l'arbitrage. On a besoin de toi, on a besoin des remplaçants qui vont nous faire du bien, on a besoin de chacun d'entre vous, ok? C'est important ce match-là, c'est le début de la deuxième partie de saison. Après, c'est non-stop jusqu'au mois de juin. Ça va être long, ça va être très long, les gars. On n'a pas fini la moitié du championnat. Donc demain, c'est un match, c'est pas le grand match, d'accord? C'est pas le grand match, c'est un match comme un autre, on est capable de gagner. Maintenant, il faut qu'on soit solide. OK ? Il faut qu'on soit solide défensivement. Et que sur le plan mental, on arrive là-haut comme des guerriers. C'est pas on arrive là-bas en se disant « Ouais, c'est plus fort. » Non, c'est pas plus fort. Comme des guerriers. Là-bas, on va les gagner. OK ? Là-bas, on va les gagner. C'est bon, les mecs ? Allez. Bombé, ouais. Tu vois, je le trouve un peu comme ça. Quand on a marqué, la fin, c'est un retour, lui. Pour. La vie de ma mère, la fin, retour de fou. Les bombes, c'était un petit duel. Match comme les autres, hein. Pas de pression. On est là pour gagner, de toute façon. Ah, la première chose que je fais quand j'arrive à mon match, déjà, je bois un café. C'est la première chose. Et j'essaye d'analyser un peu le... Bonjour. Comment ça fonctionne. Club de Choisy. Vous prendre un petit café? Bon, c'est gentil.
fait, quand j'arrive, que ce soit par exemple à l'extérieur, etc., j'essaye de comprendre. Je vais dans le clubhouse, je discute avec des gens, je dis bonjour, je bois un café, je regarde les classements sur les tableaux, je regarde la configuration du club, comment arrivent les adversaires, s'ils arrivent tous en même temps, s'ils arrivent tous de manière décousue. J'essaye d'observer un petit peu ce qui se passe. Si vous aimiez le foot, vous ne seriez pas là, vous seriez en tribune. C'est vrai. Là, vous aimez les gens. J'aime bien désacraliser l'instant du match, tu vois. Je suis pas stressé. Enfin, dans tous les cas, je le montre pas, j'essaye de pas le montrer. Et après, voilà, après c'est vrai que quand je rentre dans le vestiaire, ben voilà, le vestiaire, je le laisse aussi un petit peu. C'est le vestiaire, c'est les joueurs aussi, tu vois. Je me dis, voilà, il y a un timing. Et à cette heure-là, il faut essayer de mettre de parler stratégie. Voilà, de savoir ce qu'on va faire. Voilà. On se met tout de suite dans le vrai. D'accord ? C'est pour ça aussi qu'on avait fait Chambly et c'est pour ça aussi qu'on avait fait Senlis. C'était pour se mettre dans le vrai. Cette équipe-là, c'est qu'un match de foot, hein. C'est qu'un match, hein. D'accord ? C'est 3 points à prendre et uniquement 3 points. Par contre, ce qu'on a à prendre de plus, c'est la confiance. Quand je démarre la première phrase, je ne sais pas ce que je vais dire. Parce que imaginons ici, on fait un match de bonhomme, on fait un match de guerrier, on prend 3 points, on marque le coup. Ça, c'est sûr. Là, on va nous prendre au sérieux après. OK ? Tu vois, je ne sais pas ce que je vais dire. Il faut que je regarde les... Ça me vient, je regarde les joueurs, j'essaye de voir ce qui peut se passer. C'est la semaine qui revient, ma semaine d'entraînement qui revient dans ma tête. Le match d'avant, ce qu'on a fait de bien, etc. Ce qu'on peut améliorer. Et je sais à peu près ce que je veux faire. Mais c'est vrai que l'objectif reste motivationnel. Au-delà des mots écrits, etc., des machins comme ça, qui au final, ça se produit quasiment pas. Tu vois, quand t'écris, ouais, je sais pas, chercher à passer par les côtés, créer des surnombres dans le couloir, machin truc, tu peux avoir les intentions, etc., de l'écrire, etc., mais peut-être tu vas gagner par un long ballon dans le dos de la défense, ou tu vas marquer sur un coup de pied arrêté, ou tu vas perdre sur un pénalty parce que tu as pris un rouge au bout de 15 minutes. Tu vois, tout ce que tu as écrit, ça peut s'envoler en un claquement de doigts comme ça. Si jamais c'est haut, par exemple, ils sont hauts et le latéral, il dédouble, toi, tu continues à faire l'effort. D'accord ? Par contre, si c'est, par exemple, tu vois l'excentré qui rentre intérieur et que le latéral, si c'est haut, tu vois, bah c'est Darius qui peut prendre le latéral. Et toi, tu prends l'excentré, mais ça, peu importe. Tranquillement. Costaud, les gars, costaud. Okay. Les gars, de toute façon, c'est dans la tête, on est sûr de nous, c'est bon. Allez, montez genoux, tranquille. Voilà, Wally, voilà. Ouais, Clem, Wally. Oh, les rouges, libérez plus vite, 2 touches, 3 touches maximum pour conserver. Eh, trouve, voilà, relais, Yaya. Allez, 2 contre 1, couloir. Ah, vous êtes trop dans la baballe, les gars. C'est trop petit. Les gars, pas trop petit là-dessus. La problématique, c'est là-bas. Pape, il va souffrir. Pape, il va souffrir. Ça... Mets-en une. Voilà. Encore plus fort. Dommage. Demande à tes milieux de terrain qui jouent plus en première intention, ouais, avec toi. Parce que... le 4, là, le 4, si tu travailles dans son dos, le 4, tu vas le bouffer. Non, celui qui vient de rentrer, c'est un petit jeune. Ouais, il faut y aller dans leur dos. Tu peux y aller
Merci Clem. Allez Wally. Ouais, 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 ouais. Bracho, un contre un. Ah, ah on veut... Putain, c'est pas long qui doit jouer juste là. En place. Darius, c'est parti. Recule, frein, Matt. Calmez-vous. Calmez-vous. Oh, 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 oh. Eh, les gars, oh, oh. Eh, les garçons. Tranquille, les gars. Et ils sont chez eux, ils rentrent au vestiaire, tranquille. Nous, on s'énerve alors qu'on a travaillé toute la mi-temps. On a fait ce qu'il faut, les gars, là, pour l'instant. Calmez-vous. On se détend. Hé. Allez, détendez-vous, buvez un petit coup. Du calme, mais restez énervé. Parce que la deuxième mi-temps, quand on va la commencer, il faut la commencer en guerrier encore. Ok ? Pas endormi. Une chose, ne perdez pas votre énergie dans des choses futiles. Conservez votre lucidité. Nous, on va être en danger quand on va commencer à croire que c'est facile. Mais putain, les gars, on est comme un bambou. On plie, mais on rompt pas. Donc, tant qu'on plie, c'est pas grave. Je vous l'ai dit, c'est pas grave. Par contre, putain, mettez de la verticalité, donnez les ballons dans la première intention. Cherchez pas à être trop beau, arrêtez ça. Les matchs de foot, ça se gagne pas toujours comme ça. Là, on est en mode match à l'extérieur. On récupère le ballon, deux passes, trois passes, recherche de verticalité. Attaquez-moi cette... L'espace qu'il y a là. Attaquez-moi cet espace-là, les gars. Attaquez-moi l'espace dans le dos, là, ici. Quand tout à l'heure, Erwin, tu cherches un U2 avec Brahms. Les gars, vous avez Brahms. Il va à 2000. S'il ne fait pas l'appel, grand, je lui mets. Je ne voudrais lui mettre, là, là, c'était le bon 2. Mets-lui le ballon. Écoute-moi, t'as vu le numéro 4, là? Vous avez vu les défenseurs centraux de cette équipe-là? À un moment donné, le 4, il vient pour faire un ballon là-bas. Brahms, il a 10 mètres de retard, il passe devant. Oui! Oui! Va, va! Erwin! Erwin! Non! Jamais! Allez, encore! Bien joué, les gars! Sans être hors-jeu, Bracho! C'est quoi cette passe? Allez, y'a rien! Bon. Allez! Poste avec Wally, d'accord? Excentré droit, enfin milieu droit. Et si t'as une opportunité devant le but, Mohamed, pas de question. Te mets pas de question et tu frappes. Oui.
Voilà. Attends, défense à 5, d'accord. Et Yaya, il sort défense à 5, 5, 4, 1. Erwin, Momo. Viens, Yaya. Yaya, viens, mon gars, viens. La ligne. 5, 4, on verrouille. C'est pour que je dise ça. Non, mais est-ce que... Mais dis-le moi, putain! Mais dis-le! Allez! On lâche rien, allez! Bien joué! On avance! On recule pas! Voilà, on recule pas! On recule pas! Bien joué! Restez en place! Concentré, concentré, lâchez rien! Hey, mets-moi côté, envoie côté! Oui! Sans faute, sans faute! Voilà! Devant le ballon! Erwin, replace! Momo! Emmène la corner! Bien joué, petit! Bien joué! C'est là. Allez, celle-ci. Alors, on est comment? Ok, 2 minutes. Oh, premièrement, merci les gars, putain. Même ma femme, j'arrive pas à calmer comme vous les gars. Les gars, premièrement, je veux que vous appreniez. Il faut rester calme. Ok, premièrement, il faut rester calme. Un, il faut rester calme à la mi-temps. Un, il faut rester calme devant, dans le match. Et je veux aussi que vous restiez calme à la fin des matchs vis-à-vis des adversaires. Parce qu'on est, on a été respecté ici du début à la fin. Donc on doit montrer la bonne image. Première chose. Deuxième chose, le travail que vous fournissez, c'est pas une victoire genre... Enfin, c'est pas un exploit dans ma tête. On est capable. Ok, c'est pas un exploit ce qu'on a fait. Mais. J'ai un proverbe que j'aime bien, qui n'a rien à voir avec le foot, hein, mais c'est un proverbe africain qui dit « Il ne faut pas mettre le poisson dans l'assiette, mais il faut apprendre à pêcher. » Il faut être récompensé de son travail, en fait. Il ne faut pas avoir la facilité et le fait de vouloir du tout cuit dans sa poche. Il faut bosser, il faut travailler, il faut construire, pour obtenir ce qui nous plaît. Ce que l'on veut, il faut aller le chercher.